caméra extérieure. Aujourd'hui, on va faire de la musique. Voilà, direction Laon. On va retrouver Gontran au pied de cette cathédrale absolument magnifique. C'est le festival incontournable de Jazztitude qui commence. Gontran, bon courage, parce que connaissant les personnes qui sont avec vous, j'imagine qu'ils vous ont préparé un programme costaud. Absolument, Thibaut. Un programme très chargé, très dense, mais vraiment magnifique. Alors, vous avez dit au pied de la cathédrale, on est même carrément au pied de la montagne couronnée, puisque cette année, on vous propose une émission consacrée à Jazztitude dans une ambiance très différente. On va être au cœur du quartier Montreuil. C'est un quartier populaire de la ville de Laon. C'est pour vous montrer que le jazz et que la musique, ce n'est pas quelque chose d'élitiste. C'est ouvert à tous. Et cette année, les concerts auront lieu aussi ici. Vous voyez, là, je suis entouré de voitures. Il y a un supermarché. Il y a une station-service. Et juste à côté, là, regardez, c'est écrit dessus, Capno. C'est un centre d'animation, un centre socio-culturel ici pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et c'est donc dans cet espace qu'on va vous présenter du rockabilly et puis des voix féminines absolument magnifiques avec Serious Plan, parce que Jazztitude, ce n'est pas que du jazz, et c'est ce qu'on va vous expliquer tout au long de cette émission. Vous connaissez Louis de Funès qui joue au billard dans la Zizanie. Et bien voilà Gontran qui joue au billard. Le billard va finir dans un sale état, c'est ça. Non, je ne suis pas Louis de Funès dans la Zizanie, je vais essayer de ne pas trop le casser. Voilà Thibaut, effectivement, on est toujours ici à Laon, au centre culturel Capno. Vous voyez, je joue au billard parce que c'est vraiment ça, l'ambiance d'un centre socio-culturel dans un quartier. Mais on est venu vous parler du festival Jazztitude. Et on a avec nous Pascal Courtet, secrétaire de l'association Jazztitude. Bonjour Pascal. Bonjour Gontran. Voilà, un habitué de cette émission. Cette année, c'est les 20 ans. Joyeux anniversaire, happy birthday. Merci, c'est l'âge de la maturité, 20 ans de festival. C'est une grande fierté pour nous. Et alors, c'est cette année, on va avoir énormément d'artistes. Hein. Une trentaine de groupes en tout qui vont jouer. Alors, ça a commencé depuis le 20 janvier et ça se déroule jusqu'au 15 décembre. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs qui nous regardent. C'est qu'on n'est pas, regarde, on a l'affiche, on va prendre quelques secondes pour la voir. C'est ça. Du 20 janvier au 15 décembre. Une c'est saison. Pas un festival comme un autre, c'est toute l'année. Une saison complète. L'année. Donc ça veut dire qu'en gros, si je rate ce mois-ci, je ne stresse pas, je peux encore aller... Pas de souci, vous allez sur le site www.jazztitude.org dans la rubrique programmation 2017 et vous aurez tous les concerts, toutes les dates. Alors je crois qu'on va aller voir Philippe Gandon. Philippe Gandon, oui, notre président. Et c'est Philippe Gandon qui va nous parler un petit peu de cette programmation, hein, Philippe. Bonjour Philippe Gandon. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette année à Jazztitude. Cette année, pour la 20e édition, on a beaucoup renforcé le programme. On a 13 concerts en salle, plus 13 concerts dans des restaurants, cafés, brasseries et autres. Donc, je ne vais pas vous parler de tout, mais disons que c'est déjà commencé déjà depuis le 20 janvier. Le cœur de notre festival où on accueille les plus grands noms du jazz. On va s'avancer un petit peu. Je vous écoute, Philippe. Les plus grands noms du jazz sur la scène nationale et internationale, ça va se passer entre le 12 et le 19 mars. Le 12 mars, le Laon Jazz Big Band, qui est le cœur des musiciens de jazz, Lanoura, va être accompagné des frères Belmondo, deux très grands noms du jazz, un saxophoniste et un trompette. Le 16 mars, on accueille nos partenaires publics et privés. Et ça va être une soirée très festive de rhythm and blues. Donc là, ça va se passer à la Malle. Le 17, à nouveau à la Malle, Birelli Lagrène, un guitariste de jazz manouche très, très célèbre. Le 18, on célèbre particulièrement notre 20e édition. C'est-à-dire qu'on va accueillir 10 très grands noms du jazz et on va faire ça en collaboration et fêter en même temps la 35e année d'existence du Jazz Club de Dunkerque. Il y aura des ch'tis, il y aura des Parisiens. Il y aura vraiment de tout ici. Et alors, ce qui est important à signaler, c'est qu'il n'y a pas que du jazz. Non. Il y a aussi des voix, il y a aussi du rockabilly. Oui. Et il y a notamment un groupe local. Et notamment, le 25 mars, un groupe local, un groupe local qui va jouer donc le 25 mars et en même temps, le même jour, dans les bacs, on trouvera leur dernier album. Et ils joueront donc au Gibus, un café qui se trouve rue Saint-Jean en ville haute. Et alors, je vais vous faire une surprise. Ah, vous ne savez pas, ils vont jouer juste derrière vous. Je ne m'en doutais même pas. Voilà, c'est la grande surprise. Thibaut, écoutez bien. Avec du public, des lycéens qui sont venus spécialement pour nous. Et pour écouter The Aspirators. Messieurs, musique!
I want to make up our last time. I just can't wait. Put your lips to mine when you kiss the fire. Oh yeah, just to be with baby tonight, just my warm desire. Et je le vois qui répond à ces textos, aux textos de toutes vos fans qui veulent venir danser avec vous, Gontran. Non, je venais de vous envoyer un mail. Je voulais savoir combien de pourcents de votre cerveau vous utilisiez pour poser des questions dans les émissions 9h50 le matin. J'utilise une partie des 10% qu'on utilise, donc peu en fait. Oula, une partie des 10, ça fait pas beaucoup. Bon, écoutez, nous en tout cas, on veut utiliser 100% de notre cœur pour cette émission. Et c'est parce que c'est vraiment une très très belle émission consacrée au festival Justitude, 20e édition cette année, qui se passe dans un environnement spécial ici, au centre culturel, socio-culturel Capno à Laon. Et on est avec Nicolas Tourneur. Vous êtes le responsable de ce centre. On voulait quand même prendre quelques minutes pour évoquer un peu ce lieu. C'est quoi Capno ? Alors, Capno, c'est un centre social à proximité des quartiers qui œuvre pour tout le monde, pour le bien vivre ensemble, apprendre à se rencontrer, développer des solidarités, des temps d'animation. On est sur une structure qui est gérée par une association Loisirs et Culture qui gère plusieurs établissements sur la ville de Laon et sur lequel on crée des temps de rencontre, d'échange et de partage. Et alors là, on le voit, on a de la jeunesse à côté de nous. Toutes les générations peuvent venir ici. Il n'y en a pas que pour les jeunes. Il n'y en a pas que pour les jeunes. On a les personnes âgées, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et on retrouve des temps un peu tous les jours de la semaine, même le week-end par moment. Alors là, justement, on est avec ces dames qui viennent ici à Capno. Je vais prendre votre... Merci, Nicolas, de nous avoir présenté le centre. Bonjour, Tatiana. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu, que font ces dames ici ? Alors là, actuellement, les personnes présentes sont en train de préparer une décoration pour un repas de quartier qui va avoir lieu dans quelques semaines sur le thème des années 80. Donc là, elles ont choisi une déco, elles ont fabriqué un jukebox qui est à l'étage, qui ne peut pas là pour le moment être montré, qui est en cours de réalisation. Et donc voilà, elles ont fait des recherches, elles ont travaillé aussi sur des vieux vinyles, en fait autour de la musique hein, encore, même si
Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui dans le centre social. De la musique et des couleurs. Des musiques et des couleurs. Vous disiez dans le quartier, c'est important d'être dans le quartier auprès de ces habitants du quartier. Bien sûr, parce que cet atelier-là, par exemple, regroupe des personnes qui viennent pour faire des activités avec Edith. Mais on a aussi des parents qui viennent avec leurs enfants. Là, si on avait un jour de grève, on aurait des enfants qui fabriqueraient avec les parents, avec les grands-parents et avec les habitants. Donc on est vraiment dans de l'intergénérationnel et dans de l'interculturel. Tout le monde a sa place ici. Bonjour madame. Tout le monde. Bonjour madame. Comment vous appelez ? Chantal. Chantal. C'est important pour vous ce centre, cet endroit pour se retrouver avec vos amis, peut-être avec des enfants ? Comment ça se... Oui, très important, oui. Souvent ? Oui, assez. Là, depuis quelques temps, quoi. Qu'est-ce que vous faites là ? Expliquez-nous. Ah ben là, on est en train de faire une décoration pour les années 80. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Chantal. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Tatiana. Alors, on va revenir au cœur, à l'identité de cette émission consacrée à la musique et au jazz et à toutes les musiques. Alors, je n'ai pas de deuxième micro. On n'a plus de micro. Si, il est là. Voilà. Je vais le redonner à Pascal Courté, secrétaire de l'association Jazztitude. Vous allez nous présenter un groupe important cette année. Vous êtes ravis de l'accueillir. C'est mon coup de cœur cette année. C'est Sirius Plan. Sirius Plan, donc Gaël. Alors Plan, hein, je crois qu'il faut dire Plan, sinon alors, vous allez vous faire Plan, taper sur voilà, les doigts. Tout à fait, oui. Alors expliquez-nous, présentez-nous cette formation. Donc je vous présente Sirius Plan. Plan, pardon. Donc, excusez-moi. Donc, Gaël, Claire et Sky. Donc, trois super nanas qui jouent donc, du blues rock folk. C'est absolument génial. Elles vont vous interpréter un morceau. Vous allez vous rendre compte. Pourquoi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce groupe qui sera présent donc, sur cette scène ici, donc à Capno, le 8 avril prochain. Alors, on va les laisser jouer une petite minute et puis on leur tendra le micro après pour avoir leurs sentiments sur ce festival Jazztitude. À tout de suite, mesdames. Alors, j'ai horreur de ça, mais je vais être obligé de vous couper, voilà, parce que... On les applaudit quand même, hein. Parce que c'était vraiment un moment absolument délicieux musicalement. Mais je voulais prendre quelques secondes pour prendre votre sentiment. Tout d'abord, allez, Gaël, au milieu, ou Claire, comme vous voulez, qui s'exprime. Ce festival Jazztitude, c'est la première fois que vous vous déplacez ici à Lens. Oui, c'est la première fois. On est super contente d'être là, d'ailleurs. Et alors, justement, vous connaissiez, vous aviez entendu parler de ce festival ? Non, on n'a pas entendu parler. Par contre, tu es venu nous voir il y a quelques mois à Paris et il a tellement été enthousiaste. Et on le comprend. Que ça nous a donné envie de participer à la fête. Et le lien, c'est Beverly Joe Scott qui est venu au festival avec Gaël. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était l'hommage donc à Janis Joplin. Oui, Planète Janis, voilà. Tout à fait. Donc c'est vos inspirations, c'est ça aussi, c'est folk songs, folk singers, c'est cette ambiance musicale. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on avait envie de rendre hommage à cette musique que nos parents pouvaient écouter et qui nous a donné envie de rêver et qui a rendu ce rêve possible. Cette musique-là, on a l'impression qu'elle rend les rêves réels, en fait. Alors, on va s'arrêter là quelques minutes. De toute façon, on a la chance de elles vont rester avec nous. Elles vont revenir sur le plateau 3 pour encore nous emmener dans leurs rêves. Merci, mesdames. À tout de suite, Thibaut. Écoutez ça, les notes de Sirius Plan pour vous en direct sur France 3. On est toujours 9h50 le matin en direct du centre Capno à Lens pour le festival Jazztitude. Allez, un peu de musique. Viens prendre l'air, laisse les larmes, ceux qui pensent à l'envers. Et viens.
dans quelques instants avec elle. On va les laisser jouer, Pascal, parce qu'on va parler justement de Serious Plan qui vont jouer dans ce festival. Ce sera le 8 avril. Hein, samedi 8 avril, oui, effectivement. Et nous avons la chance également ce matin d'avoir un public. Et en fait, ce public, c'est une classe de BTS du lycée Saint-Rémy de Soissons. Et en fait, nous avons impliqué des élèves dans le cadre de cette soirée du 8 avril. Alors, parmi ces élèves, il y a Justine et Ophélie. Bonjour. Alors, je vais vous tendre le micro et je vais prendre le... Non, on va lui donner le micro parce que sinon, je ne pourrais pas poser mes questions. Ben, elles ne sont pas très passionnantes, mais elles peuvent être utiles. Justine, expliquez-nous, ce flyer, c'est quoi exactement? Donc, Monsieur Courté est venu au lycée Saint-Rémy pour nous expliquer son projet de l'association Justitude. Ce flyer, on devait concevoir un flyer. Dans le but d'attirer une cible de plus en plus jeune. On a divisé notre groupe en deux parties pour faire plusieurs flyers dans le but qu'ensuite M. Courté puisse choisir celui qui lui intéresse le plus. Est-ce que ça vous a amusé? Comment vous avez fait concrètement pour produire ce flyers? Nous avons utilisé des logiciels vus en cours par des professionnels qui nous expliquaient comment utiliser Adobe Illustrator ou Photoshop. Et vous connaissiez le festival avant de vous lancer dans ce petit projet? Personnellement, non. Non, c'est M. Courté qui est venu nous le présenter en classe, nous présenter l'association. Et... J'imagine que vous irez voir quelques concerts du coup, oui, maintenant bah, vous connaissez du coup, le festival. Le concert de Serious Plan qu'on a écouté, qu'on va réécouter. D'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui ont la chance d'avoir ce flyer parce que c'est... Tout à fait. Et un grand merci également à Jean-Luc Varoto qui est leur professeur et qui vraiment s'est beaucoup impliqué pour faire venir tous les élèves aujourd'hui et pour la réussite également de cette soirée du 8 avril. On va lui donner le micro une petite seconde. Jean-Luc, justement, quand Pascal est venu vous voir, comment vous avez vous êtes dit « Ok, banco, on y va tout de suite, c'est une super idée ». Je suis déjà membre de Justitude, donc c'était déjà un plaisir de participer avec eux. Les étudiants sont toujours partants pour des projets professionnels. Donc c'était un plaisir de faire cette émission, de joindre l'utile à l'agréable. Absolument. Merci beaucoup Justine, Ophélie et Monsieur Varoto. Serious Plan, donc on rappelle un concert exceptionnel le 8 avril. Samedi 8 avril à 20h30. Avec une première partie, Paulette Wright, une artiste rémoise qui assurera la première partie, et Serious Plan en deuxième partie de soirée avec un invité, un ou plusieurs invités. Ce sera la surprise, la cerise sur le gâteau. En première partie de ce concert, on vous propose Serious Plan juste pour vous en direct, en live, et c'est sur France 3 Picardie pour 9h50 le matin. Écoutez plutôt, je vous propose 3 minutes entières de rêve à vous, mesdames. Did
Exactement, oui. Vous voyez, je me suis mis en mode musical aussi, j'ai adoré l'ambiance. Mais évidemment, les vrais concerts, c'est ici, à Lens, avec des vrais artistes. Le 25 mars, The Aspirators. Le 8 avril, ce sera CDS du groupe Sirius Plan. Voilà, cette émission se termine. J'espère que vous avez adoré, que vous aurez envie de venir au 20e festival Jazztitude ici à Lens. C'est jusqu'au 15 décembre prochain. 9h50 le matin revient jeudi en direct de l'abbaye de Vaucelles. Nous vous parlerons de ce magnifique festival international des orchidées. Bonne journée à tous et à jeudi. Avec de la musique toujours, l'équipe de 9h50 le matin se trouvait ce matin à Lens, dans l'Aisne, pour parler du 20e anniversaire du festival Jazztitude qui s'étale sur toute l'année. Alors qui dit festival, dit musique. Écoutez. Oh là là, que c'est beau. Bonjour, bonsoir mesdames. Vous étiez avec nous ce matin dans 9h50 pour nous présenter votre style. On va commencer avec vous, Sky. C'est quoi Sirius Plan? Comment on définit la musique Sirius Plan? C'est trois femmes, trois leads, trois chanteuses, trois musiciennes, trois artistes qui ont décidé de tout mélanger, en fait, de se marier pour le meilleur et puis le meilleur surtout. De donner le meilleur et de vivre le meilleur. Ça, je vous le confirme, c'est vraiment le meilleur, c'est évident. Gaëlle, vous allez jouer cette année au festival Jazztitude, c'est un festival que vous découvrez. Alors moi, je suis venue avec Beverly Joe Scott il y a quelques années, et c'est un pur bonheur que de faire partie des coups de cœur de ce festival, donc voilà, on est en joie de venir ici. Et c'est à découvrir le 8 avril ici à Lens, et pour ceux qui auront la chance, ils pourront vous découvrir aussi en Louisiane aux États-Unis parce que votre musique s'exporte. Merci mesdames, on va poursuivre avec Pascal Courtet qui est le secrétaire de l'association Jazztitude. Ce festival, c'est aussi l'occasion de faire découvrir des groupes locaux. Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs groupes locaux qui vont se produire à Lens, et notamment le groupe que nous allons aller voir, le groupe de rockabilly, les Aspirators. Allez, emmenez-nous, on va découvrir un groupe. Voilà, là, on est plus complètement dans le jazz, mais c'est aussi ça, Jazztitude. Ça s'ouvre à tous les styles. Hein. Voilà, donc le groupe Aspirators qui va sortir son premier album le 25 mars et ils seront également en concert au Gibus, voilà. Café Concert le Gibus, donc le 25 mars. On va vite montrer l'album. Messieurs, bonsoir. Ce festival Jazztitude, c'est votre ville, c'est important de jouer ici. Oui, bien sûr, ouais, on tient toujours à participer aux festivités. Ouais, ouais. Et ce sera donc le 25 mars, sortie de l'album et musique. Avant de vous écouter, on vous salue, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à jeudi matin, 9h50, se rendra à l'abbaye de Vaucelles pour son traditionnel, exceptionnel festival international des orchidées. Messieurs, musique. Dans la salle, voilà. Allez, ouf. C'est ça. Je suppose qu'on les laisse descendre par devant. On va les laisser descendre. Je vais rentrer dans la porte. On rentre dans la porte, carrément. Dans la porte, on rentre dans la porte. Salut, bienvenue. Oui, je sais.
Le billard va finir dans un sale état, c'est ça. Non, je suis pas Louis de Funès dans la dizaine, je vais essayer de pas trop le casser. Voilà Thibaut, effectivement, on est toujours ici à l'an centre culturel Capno, vous voyez, je joue au billard parce que c'est vraiment ça, l'ambiance d'un centre socioculturel dans un quartier. On est venu vous parler du festival Justitude et on est avec vous. Secrétaire de l'association. Bonjour Pascal. Bonjour Gontran. Voilà l'habitude de cette émission. Cette année, c'est les 20 ans. Joyeux anniversaire à tous. Merci, c'est la Journée Marie de Sécurité, 20 ans de festival. C'est une grande fierté pour nous. Et alors, c'est cette année, on va avoir énormément d'artistes. Hein. Une trentaine de groupes en tout qui vont jouer. Alors, ça a commencé depuis le 20 janvier, ça se déroule jusqu'au 15 décembre. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'on n'est pas. Ouais, on va l'afficher, on va prendre quelques secondes pour la voir. C'est ça, du 20 janvier au 15 décembre. C'est pas un festival comme un autre, c'est toute l'année. Une saison. Donc ça veut dire qu'en gros, si je rate ce mois-ci, je ne stresse pas, je peux encore aller. Pas de soucis, vous allez sur le site www.produit.org. Avec programmation, vous aurez tous les concerts, toutes les dates. Alors je crois qu'on va aller voir Philippe Gandon. Philippe Gandon, oui. Le président. Et c'est Philippe Gandon qui va nous parler un petit peu de cette programmation. Expliquez-nous un petit peu. Rapidement, est-ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette année? Alors, cette année, pour la 20e édition, on a du coup renforcé le programme. On a 13 concerts en salle, des places concerts dans des restaurants, cafés, brasseries et autres. Donc, je ne vais pas vous parler tout, mais c'est déjà commencé, c'est déjà adapté le 1er janvier. 12 et 19 mars. Le 12 mars, dans Jazz Big Band, qui est le cœur des musiciens de. Jazz, Lanoura va être accompagné des frères Belmondo, de très grands noms du jazz.